Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans une vidéo mes courses pour la semaine, donc ça sera pour 2 semaines. Les plats qui sont prévus, évidemment ça peut évoluer, c'est pour 4 personnes et ça peut aussi changer si on reçoit du monde. Moi j'aime les imprévus. J'aime m'organiser comme ça pour la bonne raison que ça me permet de faire les courses qu'une seule fois, d'économiser mon temps, mon argent. On achète, c'est vrai, moins quand on fait moins souvent les courses, logique. S'il y a besoin de réassort de fruits et de légumes, il n'y a pas de souci, j'y vais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec le temps, bon, ça se conserve plutôt bien. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si ça vous plaît et si vous aimez passer du temps avec moi et pour me soutenir, c'est sympa. Alors, je vais déjà vous dire, j'ai trouvé une robe, je sais, on commence déjà par, mais ce n'est pas la bouffe. Il faut que je te dise que chez Lidl, j'ai trouvé une robe, mais elle est tellement belle, j'ai tellement été surprise par les finitions. Je fais vraiment très très vite, mais elle est en ce moment, donc chez moi, elle était en sol, il y a d'autres couleurs. Regardez les finitions, il y a du passepoil, il y a du passepoil à l'arrière, elle est très bien couplée, elle est doublée, elle est vraiment très jolie et je crois qu'on était à 7€ la robe. Je suis vraiment très contente de l'avoir achetée et sur mon compte Insta, d'ailleurs si tu ne me suis pas, je te la montre portée, elle me va super bien, je suis vraiment ravie quoi, très très agréablement surprise. D'ailleurs c'est pas la première fois que j'achète des vêtements chez Lidl et je suis souvent très contente. Voilà, c'est parti! Mon frigo n'étant pas extensible, j'achète beaucoup de légumes crus, non cuisinés, congelés et c'est très pratique. Courgettes, brocolis, choux-fleurs, petits pois et c'est moi qui les cuisine. Je commence par l'épicerie, du chocolat noir avec des éclats de caramel. C'est très léger, franchement même ceux qui n'aiment pas le caramel vont l'aimer, je l'aime beaucoup. Quand je dis que ça vient de chez Lidl, les gens ne me croient pas. La tablette est légèrement plus grande, on est sur un 125 grammes. Que le format habituel qu'on connaît tous. Moi, généralement, j'achète Lindt et je suis passée à celui-ci. Il est très bien. J'ai pris du pain. Je me fais aussi mon pain. Donc là, j'ai pris 2 baguettes, mais sinon, je le fais. Des sacs poubelles pour les poubelles tubes. Farine, sucre, pas plus parce que j'en ai déjà en rade. J'ai pris des dental sticks pour les chiens. J'en ai pris qu'un paquet parce que je leur brosse les dents, mais de temps en temps, c'est plus pour les gâter. J'ai pris du sucre vanillé. Je vous avoue, la levure, je prends Alza habituellement. Mais bon, on va tester. Je me suis dit, pourquoi pas. J'avais déjà acheté celle de chez, je crois, Leader Price. Je n'étais pas très convaincue. Mais bon, là, voilà, ouais, je vais tester. J'ai les petits raisins pour faire les biscuits. Je fais mes gâteaux pour le goûter. Mais les seuls que j'achète... C'est mon truc du moment, hein. Ça m'arrive des fois de consommer autrement. J'achète les barquettes. Et sinon, je fais des biscuits qui me durent longtemps, que je garde, que je conserve dans une boîte en métal. Je continue avec des pâtes à lasagne. Hein, pour recycler la viande, c'est hyper pratique. Ou même du poisson ou des légumes. Je fais des lasagnes. Je n'en avais plus. J'ai pris du double concentré de tomates. 4 boîtes. Je n'en avais quasiment plus. Et ça, pour moi, c'est un indispensable dans ma cuisine. Dites-moi si vous aussi, vous êtes pareil que moi, la tomate. Voilà. Des œufs, il m'en reste. Donc, je n'en ai pris que 12. Des champignons pour faire une tarte aux champignons à la moutarde. Trop bonne. De la tomate concassée. Franchement, je la trouve très très bien, cette tomate concassée. Il me semblait d'avoir pris 2 boîtes. Hein. Ben non, tu vois. Des tomates séchées. Et dedans, il y a des gros... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Capres. Et écoutez, ils sont bons. Moi, je suis pas une grande fan de capres, mais ils sont bons. Je m'en sers dans les pizzas pour faire plein de plats. Et ces tomates séchées sont pas mal. De la compote allégée en sucre, donc j'ai pris différents goûts, banane et j'ai pris 2 abricots. La ratatouille, alors la ratatouille, écoutez, vous la mixez et vous pouvez la servir en verrine et ça ne fait vraiment pas, c'est très très bon, voilà, c'est ça vaut le coup. En verrine, moi j'aime bien, en coulis j'aime bien, après en coulis sur des pâtes, c'est trop trop bon. Voilà, donc c'est vrai que moi souvent la ratatouille, je la transforme même dans de l'omelette. J'aime bien. Je vais pas la manger comme ça. J'aime bien la mouliner et en faire quelque chose. Ou sinon, je vous dis, dans une omelette, ça tue. J'ai repris du vinaigre d'alcool et des petits sachets. Alors moi, mon chat, je donne des croquettes et de temps en temps, je lui donne un sachet. Alors c'est vrai que j'achète pas de la marque pour la fois où elle en mange. Voilà. Enfin, si, ça m'arrive de lui acheter de la marque. Bon, là, j'étais chez Lidl, j'ai pris ça. Et elle aime bien. Je reviens rapido sur la ratatouille. L'été, je la fais, la ratatouille. Hein. Là, je la fais pas parce que c'est l'hiver. Mais l'été, je fais ma ratatouille. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai craqué pour une robe. Je vous la montrerai portée. Elle a vraiment de très jolis détails. Elle était soldée à moins de 8€. Je voulais vous montrer les boutons.
bouton, mais elle est vraiment ravissante. La coupe est très belle. Elle est vendue dans une pochette comme ça. Donc, Destroy, parce que c'était les dernières. Il y avait plein de choix. Et j'ai vraiment craqué pour celle-ci. Il y avait une bleue aussi qui me plaisait bien. Parce que il y a les boutons et il y a ceux-là. J'ai repris les produits pour se laver les mains. Alors, j'avais pris ceux à l'avant qui sont très bons. Et à l'olive, très bon. Et là, je suis sur la fleur d'oranger. Franchement, ça sent super bon. J'en ai pris deux bocaux. Oh, j'aime trop. Je l'avais pas vu la fois précédente. Je la recommande. Franchement, si vous la voyez, prenez. Ça sent trop bon. Bonheur de se laver les mains. Pour mon gros toutou, mon bébé de 6 mois, Floki, j'ai pris cette laisse. En plus, elle est fluo dans la nuit. Ça va jusqu'à 35 kg. Elle est garantie 3 ans. Je vais garder le ticket de caisse parce que souvent, ça casse ces trucs-là. Alors, j'utilise des longes. J'utilise des cordes courtes. Excusez-moi, des laisses courtes. Et ça, j'en voulais une parce que j'ai quelqu'un qui a un chien dans mon coin qui en a une et je trouve que c'est pratique. Parce que la longe, des fois, c'est galère avec les voitures. Donc, et comme j'ai deux chiens, vous le savez. Je vous dirai ce que j'en pense si ça intéresse ceux et celles qui ont des animaux. Voilà, et elle était pas chère, elle était à 6 euros. J'avais regardé sur le bon coin, il y avait quelqu'un qui en vendait une. Il la vendait 10 euros. Bah, je suis bien contente de ne pas l'avoir achetée hein, parce que du coup, là, je l'ai neuve. Voilà. Je regarde souvent hein, s'il n'y a pas des occasions. Je continue. Ceinture lombaire. Donc ça, j'ai pris ça pour mon mec. Je ne sais pas du tout s'il va être OK pour porter ça. Vous savez que nous, on utilise la cheminée. Du coup, pour couper le bois, j'aimerais qu'il ait une ceinture pour se protéger le dos. Voilà, donc je lui ai pris une ceinture lombaire. Je ne sais pas si, voilà, si elle va lui plaire, s'il va être décor. Donc, je l'ai prise et puis je garde le ticket de caisse. Si ça ne lui convient pas, je la ramène en boutique. Elle avait l'air pas mal. Il y en avait une qui était exposée, donc j'ai pu voir. Elle a l'air franchement de bonne facture. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout s'il va accepter d'utiliser, mais quand on peut se protéger le dos, quand on peut se préserver le dos, mais il faut le faire, quoi, tu vois. C'est dommage de s'abîmer. Je me suis pris une bouteille de badois, mais je vais vous montrer la suite. Alors, la bouteille... On passe au rayon frais. J'ai pris des pâtes, donc des tortellini au cèpe. J'ai pris des gnocchi à poêler, plein de parmesan, parce que plein de plats sont prévus à base de parmesan, dont des sauces pour ça. Une saucisse de morteau que je préparerai en salade. Le plein d'emmental, des yaourts, les lentilles à la vanille. Et ça, c'est les petits chimiques de ma poupette. Du beurre salé pour faire les biscuits. De la crème. Ça, c'est pour faire des buns. Du fromage, voilà, sans nitrite. Plein de fromage, du Saint-Félicien, du chèvre frais. Ça, je m'en sers pour la pizza. Je vous ai pris plein de parmesan. En plus, il était en réduit. Et il se périme dans longtemps, quoi, en mars. Donc, ça valait trop le coup. Pareil, ça, j'ai prévu pour faire des maki sushi. De la mimolette, de la tome. J'ai pris de la pâte feuilletée, du soignon. Nous passons au saumon. Alors, ça, c'est pour cuisiner. Hein. C'est pas pour le manger cru. Du coup, c'est bien. C'est très bien en termes de qualité pour manger cru. Des knackis pour mes filles. Nous avons des crevettes décortiquées, des olives vertes, du saumon. Ça, c'est pour vendredi soir, je pense. Nous passons aux fruits et légumes. Vous avez dit kiwi, hein. Tous les matins, un kiwi. Des poivrons pour les farcir. Butternut, qui sera aussi farci. Je suis dans ma période, je farce. Des clémentines, des poires. J'ai pris de la salade. Elle était pas très belle, donc j'en ai pris que 3, pareil. Les pousses d'épinards étaient pas belles, donc je n'en ai pas pris. Il m'en reste, sinon j'en aurais pris beaucoup plus hein, de salade. 3 sachets. J'ai pris des endives. Les endives, elles seront cuisinées en gratin, en quiche, en salade. Bref, c'est la saison, on en profite. De la mangue. Alors, il y a une mangue qui va être pour mûrir et l'autre qui sera dégustée comme une salade de carottes râpées. Donc, je les râpe tout simplement et je fais une petite sauce. C'est une salade, il me semble, vietnamienne et j'aime beaucoup. Voilà, manger la mangue verte râpée. Je continue avec des avocats. Des petites carottes, comme ça. Donc, à croquer et à rincer. Des tomates cerises, bien pratiques. Et enfin, je suis plein de radis. Il me reste des pommes. Il me reste des oranges appréciées. Il me reste plein de citrons. Donc, j'ai encore... La razzia sur les plantes, les jasmins à 5 euros, les plantes aromatiques... Trop bien. C'est parti pour les plats de la semaine. Sachant que là, je vous donne dans le désordre. Je vais pas manger ça dans cet ordre-là.
Je vais fouiller en fonction de mes envies sur mes listes et en fonction aussi de ce qu'il y a dans les placards, s'il faut les manger plus tôt au niveau des dates de péremption. Quand je fais mes courses, je sais déjà ce qu'il y a dans les placards afin de ne pas racheter, de ne pas surconsommer. Il vaut mieux avoir des sous sur son compte que dans ses placards. Il y a des basiques dont on a besoin, le sucre, la farine, les pâtes, la semoule, tout ça. Ça, je vérifie que j'en ai, mais sinon je ne surconsomme pas. Et ça évite aussi de mettre à la poubelle des choses qu'on n'aurait pas vu dépasser. Alors, j'ai acheté une saucisse de Montbéliard, je vais faire une salade de Montbéliard, donc avec la saucisse, il y aura de la salade, des pommes de terre chaudes et une salade bien vinaigrée, c'est agréable, franchement c'est bon, et avec de l'ail, de l'échalote. Une salade, je suis dans les salades, hein, mais vous allez voir, il y a d'autres choses, salade crevette avocat. Comme j'ai de l'avocat, j'ai prévu aussi jappe, donc je vais faire un maquis maison, des maquis maison, saumon. J'ai acheté du saumon pour faire cela. J'ai acheté aussi du fromage pour faire mes maquis. Saumon four courgette. Donc là, c'est un saumon que je vais faire rôtir avec des courgettes. Et en accompagnement, il y aura soit des petites pommes de terre rissolées ou du riz. On verra le jour J ce qu'on veut manger. Omelette courgette. Alors les œufs, je les cuisine une fois par semaine. Donc là, il y aura une omelette avec des courgettes et du fromage. C'est très très bon. Et la semaine d'après, je pense qu'il y aura des œufs sur un lit de ratatouille. Donc là, j'ai acheté un bocal de ratatouille tout simplement parce qu'en ce moment, c'est pas la saison et que voilà, c'est plus simple. La ratatouille, je la mixe un tout petit peu pour que ça fasse comme, tu vois, un velouté un peu plus épais. Je casse mes œufs et je mets dessus de l'emmental et un petit peu de crème fraîche. Je continue avec une soirée croque-monsieur. Donc ça sera des croque-monsieur évidemment améliorés. Je fais moi-même le pain, donc il n'y a pas de pain de mie parce que je le fais et qu'il est très bon. Donc ça va être des grandes tranches de pain de mie avec ma préparation de croque-monsieur. C'est la saison des endives, donc j'ai acheté beaucoup d'endives. Il y aura une salade d'endives, noix, du fromage bleu et de la poire. Si je ne les ai pas mangées avant, j'en rachèterai s'il y a besoin. C'est trop trop bon. Des endives gratinées. Ça encore, on se régale. Et il y aura peut-être des endives braisées et après salade d'endives. J'ai acheté beaucoup de parmesan, il y avait une promo sur le parmesan, donc j'en profite, hein. J'adapte en fait en fonction de quand je fais mes courses. Du coup, j'ai pris des raviolis au cèpe pour faire avec une petite sauce, j'ai des champignons séchés et on mettra du parmesan. J'ai acheté des gnocchis, pareil je ferai une sauce au parmesan. J'ai prévu du chou-fleur en croquette et ça sera donc chou-fleur croquette au parmesan. Un régal avec une petite sauce à la tomate ou une petite sauce au fromage blanc un petit peu citronné. Un gratin de courgettes au parmesan évidemment. Je continue avec une quiche. Alors je fais une quiche au lardon. J'ai prévu une tarte à la tomate plus chèvre. On verra. Là il y a plus de plats que de semaines. Hein, donc c'est pour ça que je peux piocher ou changer. Des lasagnes épinards fromage. Salade. Alors il y a deux soirées où il y aura une soirée ce que j'appelle moi tapas. Donc salade, il y aura des tapas, guacamole, j'ai acheté beaucoup d'avocats, j'ai pris une grosse boîte d'olives, donc je vais faire une tapenade, ça va sentir l'été, en plein mois de février, en plus t'entends, je suis enrhumée. Il y aura une soirée salade avec de la fougasse, alors je mettrai des olives, j'ai un reste de bacon, du thym, j'ai acheté plein de plantes, dont du thym, donc je vais cuisiner avec, je vais aussi me soigner avec. J'ai fait une razzia sur les plantes, je suis très contente du jasmin. Le jasmin embaume ma maison. Je vais le planter dès qu'il va faire un peu plus chaud. Mais je suis très contente. Là, je les ai mis dans des pièces et ça sent super bon. Genre ma cuisine, ça ne sent absolument pas le chien. En temps normal, je mets des huiles essentielles. J'adapte s'il y a les enfants, pas les enfants. Donc ça ne sent pas les chiens. Mais là, en fait, j'ai besoin de ne rien mettre. Ça sent le jasmin. C'est un bonheur. Donc ils sont à 5 euros, les jasmins. J'en ai acheté 4 plants. Et je me suis pris aussi 2 plantes aromatiques qui sont dans des bocaux. J'en suis très très contente. C'est joli. Je continue, il y aura une soirée pizza le dimanche, généralement c'est la soirée pizza. Du côté des gâteaux, je n'achète que les barquettes au chocolat car je les fais en fait les gâteaux tout simplement parce que je ne trouve pas mon compte dans toutes les boutiques. Il y a souvent l'huile de palme, ça me saoule et j'aime faire les gâteaux. Donc j'achète du beurre, de la farine, des œufs, tout ce qu'il faut et je mélange. Donc il y aura des gâteaux au citron, il y aura des gâteaux à la cannelle et au raisin, il y aura des gâteaux aux abricots secs, il y aura des gâteaux où je vais mettre un petit peu de céréales type muesli, je fais des petites barres et tout. Donc ça je l'ai fait, on est très content, on les conserve dans des boîtes en métal et j'en fais une fois et ça va me durer 2 semaines. Là par exemple j'en ai fait ouais facile 1 kilo de farine et ça va nous durer 2 semaines pour voilà pour le goûter, pour le petit déj, le petit croque devant la télé. Et sinon on a les barquettes au chocolat parce que ma poupette adore les barquettes au chocolat. Pour les petits déj, il me restait 2 brioches de la fois précédente, donc je n'en ai absolument pas racheté. J'ai des œufs, j'ai du lait, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des crêpes si on veut le week-end. J'ai ce qu'il faut si je veux faire des viennoiseries, j'ai ce qu'il faut pour faire des gâteaux type moelleux, gâteau yaourt, brioche. Donc voilà, pas besoin d'acheter du déjà fait, je peux le faire, c'est rapide. Et puis j'aime bien consommer de la sorte. Évidemment, je transforme
Là, il n'y a pas de viande parce que j'ai plein de viande à terminer quand il y a des. J'achète moi à la ferme en fait régulièrement la viande. Donc voilà, je préfère consommer de la sorte. Et donc, du coup, la viande, quand je la cuisine, j'en fais toujours un peu plus et je la transforme en lasagne, en farci. D'ailleurs, je rebondis, j'ai acheté des poivrons qui vont finir leur vie en farci. C'est prévu, j'adore les. En ce moment, je suis dans les plats d'été quoi, tu vois, les légumes farcis, c'est l'été. Et évidemment, comme c'est l'hiver, j'ai prévu plein de soupes. J'ai acheté des légumes qui sont congelés, mais aussi des légumes frais comme le butternut. J'ai un petit marron qui m'attend, j'ai des poireaux. Voilà, donc des soupes, des salades et des petits plats. Fin de cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas à me liker cette vidéo, à me commenter et surtout à t'abonner pour me retrouver sur d'autres contenus. Hein. Je vais te parler beauté, mode, lifestyle, coup de gueule. Je te partage mon univers ici. Sur YouTube, donc faut t'abonner à ma chaîne, mais aussi sur Instagram au quotidien et sur mon blog En Cabine les Copines. Je suis aussi sur Facebook et Pinterest, voilà. N'hésite pas à m'y retrouver, je t'embrasse très très fort, merci pour ce moment ma compagnie, prends soin de toi, tchuss.